Alors, contrairement aux apparences, cette vidéo n'est absolument pas une vidéo publicitaire sur Tux Football, mais simplement une petite vidéo pour essayer de comprendre quelque chose. En clair, je me suis livré à une petite expérience qui a quand même duré plus de 6 mois maintenant. J'ai commencé ça le 2 janvier très précisément. Oui, je sais, il manque un journée sur mes statistiques, mais disons que je vous emmerde. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors très concrètement, pourquoi je me suis prêté à cette expérience-là, c'est tout simplement parce que je trouve ça extraordinairement grave ce qui se passe. Dans le sens où nous sommes tous victimes d'un putain de matraquage de... C'est même pas un matraquage, c'est un harcèlement. Au sens légal du terme, un harcèlement moral absolu. Par rapport au football, justement, il est absolument impossible de réussir à passer plus de quelques heures sans en entendre parler. Le paradoxe, c'est que moi-même, qui ai fait cette étude, standalone, hein, je suis quelqu'un qui regarde quasiment pas la télé, qui ne lit pas beaucoup de médias, d'informations ou de choses comme ça. Et malgré ça, je n'arrive pas à passer plus de quelques heures sans entendre parler de football, quoi. Donc ma statistique est basée sur des journées pleines exclusivement. Alors très précisément, en janvier, j'ai réussi à passer une journée sans entendre parler de football. En février, 0. Au mois de mars, 1. Au mois d'avril, 2. Au mois de mai, 0. Au mois de juin, 1. En clair, sur 6 mois, je n'ai réussi à passer que 5 jours sans ni voir une publicité, ni voir une photo, ni croiser quelqu'un avec un maillot de foot dans la rue, ni voir un gamin jouer au foot avec son ballon perso, ou des choses comme ça, quoi. C'est un putain de harcèlement, c'est juste incroyable. Je trouve ça extraordinairement grave d'en arriver à des extrêmes comme cela, quoi. 5 jours en 6 mois seulement à réussir à ne pas entendre parler foot ou à ne pas voir de foot. Pour avoir quelque chose à montrer sur le fond de la vidéo, j'ai même été obligé d'installer ce putain de jeu de foot sur mon PC, quoi. C'est quand même honteux, quoi. Alors à tous les connards là qui sont fans de foot et qui insultent systématiquement les gens un peu plus différents qui eux n'aiment pas ça et... Hein ? Il y a un moment faut arrêter d'insulter quoi, on a le droit d'avoir des goûts différents et de pas aimer le foot quoi. Alors à tous ces gens là, bah allez tous vous faire enculer, bande de cons quoi, salut.